Alors, je vais me mettre de la musique à moi parce que sinon, Hop. vu que ce sera de la musique Stash dash. copyrightée. Copyrighted. Copyrighted. Ah bah si Ride. Elle elle ride raid. sur Elle raid. Ouais, je peux pas mettre la musique que je veux mettre, alors. Bah tant pis. Je la mets que dans mes oreilles. Ah bah, terrible. Elle en a rien à foutre de son chat. On est pas ailleurs, ça va. Oh bah dis, eh. C'est qui fait Hein? des blagues vachement drôles. Pardon. Dis donc, eh. Ah bah dis, eh. Eh bonsoir, Mi. Eh oui, les cheveux ont poussé. Incroyable. Théma, comment mes cheveux sont beaux. Théma, Théma. Attention. Soyeux, tes cheveux. Excuse-moi, je t'ai pas entendu, j'avais enlevé mon casque. Tu disais? Ils sont incroyables, mes cheveux. Ah, ils sont beaux, mes cheveux, en vrai. En vrai, je me suis tellement emmerdée à les faire pousser correctement que t'inquiète, ils sont beaux, mes cheveux. Hein. T'inquiète, ils sont beaux, mes cheveux. Hein. Ça pousse. Ah, ça pousse. Bah écoute, ouais. Ouais, peut-être. En fait, si je me cassais pas le cul à faire d'abord en haut et après en dessous. J'aurais peut-être un chouïa plus vite. Peut-être. Pourquoi aller vite? C'est vrai ça. Ouais, ça va, là tu chopes la crève. Ah bah si, en plus on chope la crève. Terrible. J'ai qu'une efficiency 1, moi, donc... Ouais, bah tout pareil, hein. Limite, quoi. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est vrai que ouais, ça fait grave longtemps, Mi, qu'on t'a pas vu. Comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens depuis le temps? Dis-nous tout. Ouais, t'es full netherite, c'est tout. Ouais, ça va, monsieur, je me la pète, hein. Je me la pète pas. Si, tu te la pètes. Je le conseille. Ah ouais, mais enfin, full netherite, sachant qu'elle ose pas aller dans le nether toute seule. Ah, mais bah, en même temps, faut oser un peu aussi. Terrible. C'est easy, le nether, en vrai. Alors, pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un truc qui match pas encore? Avant, oui, maintenant, plus. Si c'est bon, ça match. Tu mets juste un casque, tu mets juste un casque en or et t'es pas embêté. Hein. C'est vrai. Franchement. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors effectivement, il y a quelques petits. Voilà, faut pas miner de l'or devant les messieurs parce qu'ils sont pas contents. Mais en vrai, comme un lion dans la savane. Bah tout va bien alors. Tout va bien. Donc on s'en fout. Bah. Oui. Alors. Donc si je dis pas de bêtises, ça fait. En fait, pourquoi 1, 2, 3. Le machin. Truc. Et là, ça devrait monter. J'ai l'impression de faire des bêtises. Donc là. Oh putain, je suis en face, ça correspond! C'est beau. Ah putain. Tout ce travail pour ça. Je te jure, j'ai envie de m'embrasser, c'est incroyable. Ah oui, c'est bien, y a un bel ego quoi. Oh putain, c'est bon. Oh, oh. Excusez-moi. Pardon. Voilà. Tout va bien se passer, n'ayez pas peur. Hop. Touk. Ah, punaise. La maison avance, mais... Tranquillement, bien, sagement. Hop là. Ah. Ah, je suis contente. Ah, je suis contente. Tu es contente? Ah, putain que je suis contente. Ah, je te jure. Il y a des jours comme ça, ça fait du bien. 1, 2, 3. Bien, bien. Superbe. Bien joué, Mary Poole. Hop. Ch'tonk. Et du coup, ch'tonk. Du coup, ch'tonk, ch'tonk, ch'tonk. Ah, normalement, si je dis pas de conneries, si. On est aligné. Pardon. Je te jure, je suis tellement heureuse que putain. De la joie à ce niveau-là, je pense. Oh la vache. De la joie, je pense. Ah, presque. Hein. Presque, presque. Ah non. Attends. Oui, là, je me suis foirée par contre. Il faut que je me décale d'un cran.
Mais c'est pas grave, c'est un petit foirage. Donc c'est pas... C'est réparable. Je fais juste pouf pouf et puis voilà, c'est réparé. Hop. Voilà. Personne n'a rien vu. 1, 2, 3. Mais non, mais en plus, je suis con, j'avais bon. Attends. 1, 2, 3. 4. Non, c'est... Non, oui. Non, oui, j'étais con. Toi, bien. Okay. Écoute, si c'est moi qui le dis. Eh ben, c'est pour ça que je le disais. Blablou, ouais. Blablou. Blablou. Ouais, tout à fait. Eh ouais. Umi. Un gros kiwi. Tout à fait. Quoi? Ok. J'ai pas compris le gros kiwi. Je suis désolée, je t'ai pas suivi là. Oh bah, je suis pas, y'a pas de soucis. Hein. Kiwi, c'est ma meilleure amie. De voilà. Kiwi? Ouais. Kiwi, c'est ma meilleure amie. Ah ouais? Vous faites ce que vous voulez de cette information. Bon, c'est un kiwi quoi. Voilà. C'est. Vous faites ce que. C'est un oiseau du coup? C'est alors. Un oiseau ou c'est un fruit? Non, c'est un fruit. D'accord. Voilà. C'est... Mais y a pas de mal à tout l'oiseau, hein. Bah non, les kiwis sont tout pouic-pouic, alors c'est pas grave. Donc, ensuite, si je chope l'arrière de ce truc-là. Ok, c'est juste deux fenêtres. Donc si c'est juste deux fenêtres, c'est-à-dire que là, on se posera la question après de comment ça retombe. Et ça, ça fait plaisir. Non, c'est pas ça que je voulais. Je veux pas te mettre comme ça, petit père. Oh bah dis, petit père. S'il fallait pas se mettre comme ça, ouais. Alors. Par contre, ouais, je vais tomber en rade de... En rade de bloc. C'est chiant. Un peu. Ouais, je comprends. C'est-à-dire qu'il me reste 14 briques. Je vais pas aller bien loin avec ça. 14 briques et j'ai même pas fini le rez-de-chaussée. C'est bon pour vous? Ah oui. Bah, pour moi non plus. Eh bah, ça avance! Ouais! J'avance! Lentement, mais sûrement, quoi. Ouais. Hop. 1, 2, 3. Ça allait me coucher aussi. 4. On va travailler demain, quand même, c'est pas mal. Ça travaille demain, terrible. Oh, merci. Des gens qui ont un vrai métier, tu sais. Ouais, dans 3 heures, hein, je passe 3 heures. Terrible. Énorme, hein. Tu bosses que 3 heures. Eh oui. J'ai envie de te dire ta gueule. Ah, ça va, j'ai fait des journées à 11h et 12h. Hein. Tu sais, je peux travailler 3 heures de temps en temps. Je travaille le dimanche. Bah, moi aussi, j'ai un week-end par semaine. Eh, je suis en train de travailler, hein. Et le dimanche, moi aussi, je bosse, hein. Donc, tu te calmes, hein. Ouais, je me suis entendu en écho, c'était terrible. C'est parce que j'étais en train de regarder pour mes horaires et j'ai déverrouillé le téléphone. Terrible. J'avais oublié. Terrible. Tu te rends compte, elle m'observe même quand je suis pas prête pour ça. Oh, il y a un creeper. Viens, creeper. Même j'aimerais choper ton XP. Pardon. Je veux pas savoir que tu m'observes pendant que t'es au chiotte, en fait. Vraiment, c'est un détail de l'histoire, je veux pas le connaître. Demain, je commence à 9h30, s'il vous plaît. Bah, ok. Ok. J'ai vraiment pas hâte, en fait. En vrai, ça va, 9h30. Matin, je me suis réveillé, je pensais qu'il fallait que j'aille au taf. Ouais, ça va, je termine à 18h, je dis pas le contraire, mais 9h30, quoi. Ça va. Ce matin, c'était satisfaisant parce que je me suis levé, je pensais qu'il fallait que j'aille au taf, et en fait, bah, j'avais pas besoin d'aller au taf parce que je travaillais pas aujourd'hui. Ah, oh, ça, quel plaisir. Oh, ça, c'est... C'est mieux ça que l'inverse, quoi. C'est ouais. Vrai. Oh, t'inquiète pas, moi, là, cette semaine, je suis arrivée une demi... Non, cette semaine, petite semaine ou semaine passée? Non, cette semaine passée, je me suis plantée. Je pensais que je commençais à 11h. En fait, je commence à 10h30. Non, mais... Pratique. Embête. Non, c'est un truc qui m'insupporte, ça arrive en retard, j'arrive toujours 20 minutes avant moi. 20 minutes, carrément. Au moins. Ouais, pourquoi t'as un cochon là, putain? Cochon au milieu de mon champ. Quand je vois à quelle heure est mon bus, j'ai pas envie, mais alors vraiment pas. Hein? Comment
ça, attends, c'est quoi ce bail là? Ok. J'ai la pied au taf, c'est tranquille. J'ai mis 40 minutes de marche, mais tranquille. 40 minutes de marche? Bah ouais. Bah Dieu. Des jambes en béton armé. Ah bah ça, j'imagine. J'imagine. Ah, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, il y avait un Underman là, très bien. Hop. Je vais prendre une maxi canne à pêche. Ben, je crois que demain matin, je vais aller me chercher un Starbucks et puis ce sera bon. Voilà. Bah. Il n'y a pas de Starbucks à côté de chez moi. Voilà. J'ai un Starbucks. Oh, dans la ville à côté de chez moi. Perso, je suis pas fan de Starbucks. Oh, en vrai, ils faisaient des limonades, des trucs à base de limonade qui étaient vachement bons. Mais en même temps, quand tu vois la quantité de sucre qu'ils foutent dedans, tu fais... Non. Je veux dire, quand ils rajoutent du sirop de sucre, carrément, tu te dis bon. Ah non. Bah, moi, j'ai dû y aller 3-4 fois, grand max, en vrai. Mais ici, je suis désolée de te le dire, Lauriane, hein, y a du sirop de sucre dans quasiment toutes les boissons Starbucks. Hein. Non, parce que je prends du café au lait. Enfin, café cappuccino. Non. Bah ouais, il me semble bien qu'ils en foutent aussi là-dedans. Hein. C'est pour ça que c'est autant addictif d'ailleurs le Starbucks. Hein. Oh, laissez-moi avec mes Starbucks de temps en temps. Ah bah si tu veux, il n'y a pas de souci, mais on te dit juste comment ça se passe. Et Ellie, imagine que demain, demande à Starbucks avec ton nom. Bah je t'en prie, vas-y. Hein. Si tu veux te faire appeler Elise pendant une journée, il n'y a pas de souci. Hein. C'est un prénom comme un autre. Mais je te l'envoie quand même. Bah, si tu veux. Si tu veux. T'envoies la note. Alors, non. Je vais pas payer vos Starbucks, les gars, calmez-vous. Mais je paye déjà pas les miens, alors. Comment ça, tu payes pas les tiens? Bah, j'y vais pas, donc je les paye pas. Ah oui. C'est. En soi. Parce que là, ça se tient. T'as, j'ai une envie de me faire un McDo, là, ce soir, par contre, c'est terrible. Oh. C'est pire que ça, aussi pire. Hein. Bah ouais, je sais. Mais au moins j'ai conscience que je bouffe de la merde, tu vois. Moi aussi j'ai conscience que je bois de la merde. Mais t'avais pas conscience qu'il y avait du sirop de sucre dedans, alors... Non, ouais non. Moi j'ai conscience que techniquement ce que je bouffe au McDo c'est aussi sucré, hein, donc... Parce que oui, il y a du sucre dans ton McDonald's. Voilà, un vrai plaisir. Oui, ça je le savais. Il y a que les frites qui sont pas sucrées. McDo, et ben, ils sont nazes. Voilà. Non, c'est vachement bien le McDo. En vrai, j'ai été biberonné à coups de McDo, moi, donc je peux pas. C'est compliqué. Pendant une période de ma vie, genre pendant 1 an et demi, 2 ans, je mangeais au McDo 4 fois par semaine minimum. Voilà. McDo, moi, j'ai commencé à en manger quand j'étais au BTS, tu vois. Oh putain, ouais, d'accord. Il y a 2 ans, quoi, il y a 3 ans. Terrible. Non, il y a 4 ans. Ça... Oh ouais, tu vois ça. Et encore, j'y mange, tu vois, genre là, dans l'année, là, je l'ai mangé une fois. Ah ouais. Non, moi, j'y mange quand même 4-5 fois par an, quelque chose comme ça. Hein. Moins maintenant que je vis avec ma mère, tu vois. BK. Ah, le BK, par contre, ça y va. Hein. Non, moi, ça me dégoûte. BK, c'est bon, trop BK, gras, les gars. Ça suinte de graisse, là, c'est... Ça fait déjà 6 ans que t'es chez moi. Terrible. Les deux sont pires en vrai, les deux sont horribles. Oui, c'est vrai. Mais vraiment, ah ouais, un truc où t'as plus de graisse sur les doigts que dans ton sandwich, à un moment, moi, ça me... C'est pareil. Mais après, c'est parce que j'aime pas avoir les mains grasses aussi, peut-être. J'adore ça, moi. De quoi, d'avoir les mains grasses? J'avais 12 ans, quelle vie... Oh, sérieux? Mon Dieu. Oh. Attends, t'as 18 maintenant, putain. Putain, il y a quelqu'un qui est devenu majeur avec toi, meuf. C'est beau. Bah ouais, t'as vu ? Exceptionnel. C'est beau. Genre 18 ans, c'est vieux, bah non. C'est beau. Bah non, c'est jeune, 18 ans, calme-toi. J'ai ma petite larme. Calme-toi. Et du coup, c'est ça que 25, c'est vieux, et j'ai pas envie d'être vieux. Okay. Mais non, 25, c'est juste le quart de siècle. J'avais 24 ans, s'il te plaît. Juste un quart de siècle. Ça va. Quand j'avais pas un truc de fou, tu vois. Quand je faisais streamer dans mon lit, s'il te plaît. Ah, toi aussi, t'as commencé le stream dans ton lit ? Ah, putain. Moi, techniquement, mon premier... C'était les meilleurs streams de ma vie. Mon premier stream, il date de 2015. Avec Fred, d'ailleurs, déjà à l'époque. Et mon Dieu, quoi. Mon Dieu, sur un vieux PC portable, avec une connexion qui n'était pas du tout faite pour. C'était ridicule. Et que deviens-tu, petit carte?
Dis-moi tout. Dis-nous tout. On veut tout savoir. Allez. Le président. As-tu réussi dans ta vie Ouais, réussir à 18 ans, les gars, il vient tout juste de sortir de l'école, bichon. Ouais, alors c'était quand je vous ai dit UHC Run, alors. Oh, putain. Terrible. 18 ans, t'as même pas ton bac. Ou tu viens tout juste de l'avoir. Qu'est-ce que tu veux avoir réussi à cet âge-là, quoi. Puis réussir. Moi, je pensais, on n'en sait rien. Hein. Non, puis réussir, c'est quand même très subjectif. Ouais, qu'est-ce que c'est, imagine ça qu'il a réussi sa vie. Ouais, mais c'est pareil, réussir, c'est subjectif. Parce que réussir, il y en a qui te diront bah, c'est d'avoir plein d'argent et d'avoir un métier où tu gagnes masse de thunes, etc. Moi, réussir, c'est juste être heureuse, tu vois. Donc techniquement, j'ai réussi ma vie. Alors, j'ai réussi ma vie. Voilà. Tout est subjectif. J'ai trouvé quelqu'un qui arrive à me supporter. Alors là, je suis au lycée en terminale. J'ai redoublé ma troisième. C'est pas grave. Mais de manière imméritée. Et plus tard, je vais faire un but en réseau et télécommunication pour être dans la cybersécurité. Stylé. Ben, c'est magnifique ce que tu vas faire. Franchement, c'est stylé. Cybercriminalité. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est... ça va devenir un maxi pirate, le gars, tu sais. Yeah. Ouais. Why franchement, manque juste qu'on lui crève un œil et puis c'est bon. Hein. Oh putain, méchant. Bah non, mais les pirates, ils ont un œil en moins. Mais il n'y a pas les cyber. Bah tu sais pas. Hein. Si. Ah, qu'est-ce que tu peux le savoir. T'es cyber pirate, toi. Non. Keep. T'es cyber pirate. Keep. Mais enfin. Allez, balance, on dira rien. Mais enfin, où est ton perroquet, Keep? Où est ton perroquet? Pour moi, j'ai encore mes deux yeux. Bon, on va juste offrir un cache-œil, alors. Ce sera plus simple. On te prépare le cache-œil. Il faut que j'aille chercher... Voilà. Quoi continuer? Non, mais c'est putain, cool mais... de revoir des vieux qui ont connu le début de ma chaîne où c'était... Ouais, à l'époque où c'était la ramasse, quoi. Voilà. Ouais, non, bah... PC portable, t'étais dans le lit en mode chill, tranquille. Ben ouais, tout à fait. Puis à l'époque, tu mettais pas ta caméra parce que t'avais l'impression de te sentir trop con. Et lève-toi bien derrière les oreilles, hein, Kerr. Hein. Non mais Kerr, ça me fume parce que... Tout à l'heure, il dit « Ouais, ouais, j'arrive bientôt, j'arrive, t'inquiète, j'arrive. Hein. » Puis après, il dit « Bon bah, je vais manger et j'arrive. » Et là, il vient de dire « Je vais à la douche et j'arrive. Hein. » Putain, mais gros... Kerr, c'est une merde. Gros... À un moment, si t'es un gamer, tu te laves pas et puis tu ramènes ton cul, merde. Oh là là. Il bosse pas demain en plus, il a pas raison de se laver en fait, il a rien fait de sa journée. Oh, j'avoue. Il bosse pas demain mais... J'avoue, qu'est-ce que je fais demain? Ah non, demain, moi j'ai rendez-vous à la banque. Ah, je venais... Oh, trop la flemme. Pour moi, Mais même pour moi, je venais de créer mon compte Twitch, et je me souviens bien, de plein de petits streamers. Bah je suis toujours un petit streamer, mais de meilleure qualité, disons ça. Disons que c'est plus joli qu'avant, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Je trouve, le Messi, le Messi. Toujours que de regarder des plus petits streamers, c'est plus des petits Messi, streamers. Messi. Et ben alors, tu veux aller voir une petite streameuse? Plaît-il? Je te la conseille. Je te la conseille à 3000 euros, à 3000%. Moi, je veux bien 3000 euros. Hein. Je prends. Hein. Non, Ellie. Oh bah, j'aime l'argent. Ellie? Oui? Non. Oh. Je t'aime, mais non. Oh. Voilà. Tu vois ça? Tu vois cette personne-là? Tu vas la voir. Qui c'est à moi? Tu lui lâches un petit follow. Et tu lui dis que tu l'aimes. Ouais, non, c'est peut-être pas nécessaire, ça. Attends, va pas forcer les gens à dire qu'ils m'aiment, hein, c'est compliqué. Mais qui t'a dit que c'était toi? J'en sais rien. Merde. Grrr. Très bien. Grrr. Je suis passé à côté d'un zombie. Je vais lui dire tout ça. Très bien. Ok, ça va, merci. Let's go. Oui, 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 oui. Ah! Oh, le prout était si fort! Pardon? C'est Bastien sur mon chat qui a déclenché le son du prout. Ah oui, et il était ultra fort dans mes oreilles. C'était pas prévu. Je me suis dit, bah, en fait, elle réagit sur ses pets. Oui, mais Bastien, il n'est pas censé être au lit. Je me permettrai pas de péter en live quand même. C'est pas. Oh, j'ai lâché un truc, les enfants. Oh putain. Oh, si vous saviez, ça pue. Oh, terrible. Mon dieu. Non, jamais, jamais. Dans un moquet, vous envoie le dos. Dégueulasse. Ah.
Bonsoir, petit Kars. Ça va? Ah bah merci du coup. Hein. Est-ce que tu vas me dire que tu m'aimes? Moi j'attends. J'attends que ça. Hein. Ah, je me fais tirer dessus. Ah! Lauriane, tu veux pas y foutre un Théo au petit là? Pas à Kars, mais à l'autre. Oui, je m'en doute, mais je le fais à ma façon. Hein. Oh oui, vas-y. Oh, tu m'aimes! Merci beaucoup! Il y a des gens pas gentils, pas bipou là sur ton. Ouais, écoute, il y a quelqu'un qui a envie de se faire Théo, donc. Si non, ça peut l'amuser. Toi, je te Théo pas. Ah non, non. Non. Toi, je te Théo pas, tu le mérites pas. Qu'est-ce que. Théo. Il y a un cochon qui me suit là. Mais au secours. Non, c'est terrible. Non, c'est Moutmout, je sais pas pourquoi, il veut se faire Théo, alors. Merci pour avoir allumé la lumière. Je sais pas. Ça va finir par un ban définitif parce que ça va me faire chier, tu vois. Ah, ça, je te laisserai le faire, par contre. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est moi qui suis sadique et qui banne tout le monde, de toute façon. Non, petit carte, je vais te mettre un petit Théo, toi. Petit Théo, un petit Kars. Mais putain, mais... Ah oui, bah petit Théo. Oh putain, mais non, mais du coup, c'est triste parce que ça a enlevé le message où il disait qu'il m'aimait. Voilà, je suis triste. Bah voilà, maintenant il peut te le redire. C'est pas faux, mais je suis triste. Tu peux lui redire. Je suis trop triste. Elle a dit qu'elle était triste. Ouais. Je suis triste. Ouais. 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 Bah alors, pour ma part, moi, petit cas, comme ça, t'es au courant, j'habite plus en Belgique, déjà. Oh, et puis en Belgique. J'ai déménagé. Trahison. Pardon. Disgrâce. Oh, tu m'aimes à nouveau, merci. C'est trop gentil, j'adore. Bah du coup, bienvenue, hein. Bienvenue à toi. Vis ta meilleure vie, sois heureux et tout ira bien. Oh là là. Voilà. Donc je disais, moi je déménageais, j'habite plus en Belgique. Habite plus en Belgique. Je suis plus avec le même copain d'il y a 6 ans. Et ouais, heureusement... Pourquoi quoi? Ouais, ça va être plus fort. Voilà, accentue le... Probablement pour que son mec l'entende et se dise « c'est moi le plus fort ». Voilà. Non. C'est ça. Te pose pas la question, c'était ça. Il a pas besoin de ça pour qu'ils savent que... Il s'en bat les couilles. Vous l'avez entendu bailler, il s'en bat les couilles. C'est terrible. Il en a rien à battre. Rien à foutre. RAF, le gars. RAF. J'en ai l'habitude. Ah putain. Terrible. Absolument terrible. J'ai pas besoin d'un saut d'eau. J'ai ri. Ouais, belge du coup, ouais. Phénomène comme moi, s'il te plaît. Oui, c'est vrai qu'il y a un moment, il doit avoir quelques problèmes lui aussi. On va pas se poser la question. Des migraines, à ne plus savoir quoi en faire. Ah putain, terrible. Alors c'est faux. Bah si c'est faux. Plein de péripéties dans votre vie respective depuis toutes ces années. Ça fait plaisir de vous passer un petit coucou. Moi j'y vais, des bisous, je repasserai. Des bisous. Des bisous, petit Kars. Petit Kars. C'est un S à la fin, pas un T. Mais je l'ai pas prononcé, il était muet, non? Bah c'est petit Kars. Et pas petit Kars. T'y fous un T, toi, à la fin, je sais pas pourquoi. Ouais, t'y fous un T, ouais. Ouais, ouais, ouais. T'y fous un T, ouais. Hein. Oh, j'ai envie de me casser la gueule quand je fais ça, c'est terrible! Ouais, j'ai pas envie de le faire. Ouais, bah ouais. 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 Ah! Il y a un squelette, il triche, il est au fond de la flotte! Que je te fasse ton serveur, un mini-jeu pour ta commu, gratuitement, par contre, je n'ai pas d'hébergeur payant. Alors, hein? Premièrement, je suis pas sûr. Non, non, mais c'est un qui vient de. Qui s'appelle Bombalou. Bombalou! Désolé, alors. Bonsoir! Bonsoir! D'abord, bonsoir. Premièrement, déjà ce n'est pas mon serveur. Tout à fait. Donc, non, on ne fera pas de serveur mini-jeu. Et, non. Voilà. Après, si tu veux voir ça, il faut voir ça avec le mec qui dirige le serveur, qui s'appelle Athanase. Voilà. Si ça t'intéresse. Mais, je suis pas sûr qu'il voudra. Oh, je sais pas. On a prévu de faire des mini-jeux sur le serveur, donc en fait. Donc, voilà. Bon. Tu vois ça avec Athanase, voilà. Tu vas sur son Twitch, tu tapes Athanase et puis tu vois avec. Tout à fait. Moi, hein. Moi, nous, je suis là que pour jouer. On ne prend pas des décisions à la place du grand Manitoute.
suis d'accord, mais je ne suis pas le grand Manitou du serveur, donc c'est mort. Pour ma part. Poupipou, pidoulipou. Rapatapipadipou. Mais c'est gentil à toi. La propos, elle est sympa. J'avoue. Qu'est-ce qui t'arrive, Kip? Je meurs. Ok, s'il vous plaît. Pourquoi mourir en fait? Mais, qu'est-ce... mais pourquoi? Je sais pas. Oh, oui. Ah, bon, d'accord. Mais qui a la vie? Enfin, Kip, la vie, il faut choisir la vie. Ah, c'est vrai, oui. Bah ouais. Là, il y a un gros trou. Excusez-moi. Je commence à avoir une phobie des gros trous, là, ça y est. Faites un coup. Alors non. T'as un problème là avec les trous maintenant ? Bah faut croire. T'aimes pas les trous, t'es trop phobe ? Non, j'aime que celui de Kerr. Ne le dis pas trop fort hein, parce qu'après il va... Bah j'attends que ça qu'il ramène son cul en fait ! Ah, écoute, écoute, techniquement moi je suis censé finir mon live là maintenant parce qu'il est 22h tu vois, 22h30 même, putain je suis en retard. Je suis censé être... Oh pauvre chérie. Ah bah écoute, j'ai faim et j'ai envie de pisser, alors à un moment... T'as pas une petite bouteille déjà ? Bah non, mais tu sais que, hey, franchement, je suis pas très loin d'installer des chiottes sèches dans mon studio, parce que vraiment, c'est trop chiant de devoir faire des détours pour aller pisser. M'étonne. Moi, perso, ouais. J'ai une petite bouteille à côté. Ah, oh, t'es dégueulasse. Bah en vrai, il peut, il a une bite, il peut, c'est pas... Oui. Nous, on peut pas, c'est de la triche, mais... Bah, si on pourrait. Oh bah vas-y, on est plus après. Non. Ouais, équipe, il est 22h30. Oh, il est tellement long que j'ai pas besoin d'aller. Ouais, lol. Oh, le mec, il la sort, il atteint les chiottes tout seul. Pardon. Voilà. Sans bouger de ma chaise. Oh vas-y. Sans lever les mains en plus. Attention. Hein. Sans les mains. Ellie, on peut t'acheter une chaise percée. Hein. Oh mais t'inquiète, hein, si c'est que ça, je pense qu'on en a encore une qui traîne quelque part. Hein. Mais c'est même pas une blague en plus, hein. Vraiment. C'est, écoute, ma grand-mère était hospitalisée à la maison. Je pense qu'une chaise percée, ça doit pouvoir se trouver. Effectivement, vu comme ça. Voilà, Kevin, puis mon grand-père, c'était pareil. Elle est pas, hein, si tu veux. Oh non, non, je te remercie. J'ai pas envie d'avoir un truc avec des gens, je sais pas qui c'est, qui se sont assis dessus, tu vois. Surtout pour chier dedans, à un moment. C'est... Voilà. Que ce soit ma famille qui chie dans le pot, y a pas de souci, mais que ce soit quelqu'un d'autre, c'est... Dans le pot, bah oui. Hein. Dans le pot. Bah attends, chier dans le pot, et... C'est terrible parce que des fois je me rends compte que j'ai un accent ch'ti sans être ch'ti, c'est fou. Bien. Bon allez, il me reste quasiment plus beaucoup de terre à vider. Quasiment plus beaucoup. Ouais. Quasiment plus beaucoup, très bien. Très bien, très bien, ouais. C'est vrai. Ah là là, ces gens. Ouais. Je n'en peux plus de la terre. Oh, qu'est-ce que c'est là-bas? Est-ce que c'est... Tu vas rêver de terre cette nuit. Attends, est-ce que c'est un truc sous-marin qui a mal popé et qui du coup est sur la rive? Hein? Tu sais, les ruines sous-marines là. Attends. C'est possible, hein. Ouais, c'en est une. Tu peux te TP si tu peux, si tu veux. Envoyé à le trou, d'accord. Ah. Ouais, c'est une ruine, ruine sous-marine qui. Hop. Rien d'extraordinaire, hein, mais. Hop là. Mais pourquoi pas? Voilà, c'est juste que c'est pratique à explorer, du coup. Ouais. Ah oui. Mais à côté, t'en as encore une, là. Ah oui, bah il y en a plein dans la flotte, oui, c'est sûr. Mais j'allais pas y explorer. Ah ouais, non, il y en a avec un trident. Voilà, c'est bien pour ça que j'allais pas y explorer. Mais du coup, je vais y noter parce que c'est un bon moyen de récupérer un trident facile. Ah bah, il est dans la flotte. Hop. Il est où ce con ? Il est là. Hop. Schlonk. Voilà. Il est où ? Oh, il lag. Bah, il était dans la flotte, quelque part. Ah, je lag, attends, je lag et j'arrive pas à voir où il est, ce connard. Ah, je sais où il est. Il l'a vu, ça y est. Oh putain, le lag est terrible, hein. C'est fou que ça lag comme ça à chaque fois que quelqu'un se TP quand même, c'est... Un truc de fou. Je comprends pas comment il fait pour avoir ce genre de problème sur son serveur, parce qu'en vrai, moi j'ai toujours été sur OMG Serve, on n'a jamais eu de problème comme ça. Hein. Putain, il n'y en a pas, il n'y a vraiment pas, il m'a pas droppé. Je suis pas chanceux, quoi. Terrible. Il est pas chanceux, là.
H, bac, allez, on va construire. Poubé chanceux là. J'aimerais finir ma maison avant d'aller dormir. Bah, j'aurais bien aimé aussi, mais là, je pense que ça va pas être possible. Hein. Ouais, bah, moi, il est bientôt fini. Bah, juste pas moi. Je vais voir ce que ça donne. Bah, je suis en train de récupérer de la clé là, donc. Okay. Bah, tu me diras quand tu l'auras fini. Wow, il y a un peu trop de people là. T'as fait un slash home là, non? Non. Ok. Moi, j'ai fait un slash home. Ouais. Pense. Non, parce qu'il y a eu un tout petit rollback. Tout, tout petit. Juste assez pour faire peur, quoi. Ouais, tu m'étonnes. C'est bon. Pas putain. Faire ma maison, hein. Ça veut dire, Ellie, que je suis pas loin de chez toi? Ah oui, bah là, on est pas très loin, ouais. Ah, je vais venir faire coucou. Ah bah, ouais. Oui, tu peux. Je remets le jour, hein. Ouais. Voilà. Merci, parce que j'y voyais rien au fond de la flotte. Parce que la pauvre Brian, elle va mourir sinon encore. Non. C'est la sous-estimer, ça, quand même. Mais... C'est terrible. Je me considère plus comme quelqu'un dans la réalité. Sous-estimer, c'est pas faux. Ça va, hein. Je m'en sors, hein. Oui. Pas tous les jours, mais je m'en sors. Et bien sûr. Regarde, je suis allée... La dernière fois, je suis allée où, toute seule? Enfin, presque toute seule. Je suis allée voir le Warden. Ah oui, j'ai l'idée ouais, aussi. Ouais, presque toute seule, ouais. Presque toute seule, ouais. Je t'ai accompagnée, mais à part ça, presque toute seule, ouais. Ouais. Bon, presque. Attends, ce serait pas un arbre à fleurs, ça? Oh non, j'y ai cru. Un azalée? J'en ai un, si tu veux. Ouais, mais je peux pas ruiner ton biome en dessous, quoi. Non, mais j'ai une pousse. Voilà. Oui, mais je m'en fous de la pousse. Moi, je veux le biome en dessous pour pouvoir le ruiner. Tais-toi, l'âne. Ah oui, non, parce que j'ai peut-être en avoir besoin. Bah ouais, je m'en doute. Ah, j'ai trouvé ta maison. Superbe. Tu sais comment j'ai vu ça? T'as vu la grosse construction à Chai? Non, j'ai vu le... Des PNJ coincés dans des maisons? Non, pas encore. Des? Non, j'ai vu un... Ah non, c'est pas chez toi. Je sais pas où t'es. Ben là où il y avait des... Comment ça s'appelle là, les trucs en bois? Les bateaux? Non. Truc en bois. Où tu peux monter et descendre. Ah, des échafaudages. Trois coffres. Oui. Ah oui, trois bah coffres, si, c'est à côté de chez moi, ça, c'est ma mine, on va dire. C'est mon trou, voilà. Grosso merdo, c'est mon trou. D'accord. Après le trou de Gamangui, le trou de Ellie. Tout à fait. Et je mets une pièce qui aura quart dans mon trou. Voilà. Sans aucune connotation, hein, bien sûr, mais... Noter tout ça, là. Je mets une pièce qui viendra dans mon trou. Voilà. Lol. Elle a dit trou. Elle a dit trou, la dame, lol. Lol. PTDR. MDR. Non, j'ai pas trouvé encore ton village. Alors, si t'étais à ce truc-là. Ouais. Si t'étais au niveau du trou. Il est où le trou? Eh bah, tu prends plein ouest et tu devrais tomber sur un village. Mais avec grand plaisir, mon Kier. Il est où le trou? Il est là, le trou. Il est là. Tu prends plein ouest à partir du trou et tu devrais tomber sur un village. Et dans ce village, bah, je me suis établi, quoi. Village abandonné, hein, by the way. Maintenant, un établi. Ah, lol. Techniquement, oui, je crois que c'est le premier bloc que j'ai dû poser. En général, la plupart du temps, c'est ça qu'on met. C'est pas en faux. En général. Hein. En général. Les histoires d'amour finissent mal. Pardon. Excusez-moi, hein, c'est... Ce sont des choses qui arrivent. Hein. La musique reprend le dessus toujours. Hein. Ouais. Tout à fait. Tout taré ici, tout taré. À peine. Franchement, à peine. Non. Un détail. Ah, c'est ça. Faut arrêter l'alcool. Pourquoi l'alcool? Non, j'ai ok. Quoi, l'alcool. Savoir que je suis assujetti à vite avoir des hookahs. Je pensais peut-être dire autre chose. Je suis assujetti à boire beaucoup d'alcool. Aussi, mais c'est ça. Je suis assujetti à me pinter la gueule tous les mardis, mais à part ça. J'ai fini ma maison, donc quoi, si tu veux venir voir. Incroyable. Bah attends, je récupère ce que j'ai. Ah, il y a Katachou qui va rejoindre. Chouette. J'ai fait un style complètement différent de l'autre. Kepwex. Ouais. Oh putain.
Well, that was quick. Eh, c'est beau, eh. Ça ressemble un peu... Okay, par là, oh, il y a une bibou abeille. Donc peut-être des choses encore. Faut que je fasse le sol, d'ailleurs. Tiens. Ouais, j'aime. Il y a des bibou abeilles. Ah, oh, c'est stylé. Sur, la zone pour remonter là-haut. C'est stylé de ouf. J'adore. Okay. Du coup, j'ai plein d'étages, mais... Mais on peut pas encore y monter, très bien. Écoute, je le vois, il est beau. Et j'imagine qu'il est magnifique avec sa terrasse sublime. Attends. Bon, ah, tu l'as pas mis que... Tu l'as pas mis dans le bon sens. De quoi ? Ok. Ok. Je fais du parcours pour monter, j'arrive. Ah, j'ai retrouvé au village. Bonsoir, les enfants. Bonsoir. Bonsoir, Kerr. Bonsoir. Comment qu'ils vont ? Bah, ils vont bien et tout. Mais bien et tout. Ah. Je vous ai manqué, hein. Ah bah ça. Non. Terrible. Ah, vous avez fait que parler de moi, je sais. Terrible. Ça paraît être ta grosse poutre. Évidemment. Oh, oh quoi ? Et ta grosse maison. La poutre vendéenne. Le fait que tu sois vendéen, ouais, tout ça, tout ça. Hein. Ah bah écoute, tout est lié. Hein. Ah bah. On l'appelle pas, pas la mojette pour rien. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je peux pas vous le cacher, je peux pas vous le cacher. Ah bah dis. D'où c'est pas immonde, hein. Bah ça, après, c'est juste une contrepartie. Ah punaise. Parce qu'on partit du talent, quoi. Ah bah dis. C'est ça. Ou bien équilibrer les forces. Ah bah. Ouais, évidemment. Vous pouvez pas tout avoir pour moi. T'as des cactus ? Ok. Wow. T'as un okay. Cactus. Twic. Dans ma vie. Elle a des cactus. Ah oui, j'en ai piqué chez Kip. Il y a des cactus chez Kip. Donc, mais je t'en ai juste piqué une tête et du coup, bah, j'en ai replanté quoi. Ça. Oh salut le villageois coincé, ça va, t'es bien. Tu les tapes pas hein, surtout. Ta hein. Vie tu les laisses tranquilles les villageois coincés. Hein. Promis, je les ai pas tapés. Mais c'est pour être sûr que tu le fasses pas. Mais non, c'est dans ta tête. À peine. Salut, deuxième petit villageois. Ça va ? Tu vis ta meilleure vie ? Pouais, pouais, pouais. Pouais, pouais, pouais. Ch'tonk. Ah ouais ! Ah bah, quand je te dis que je m'emmerde. Quand je vous dis que je veux faire les choses en grand. À un moment, voilà. Voilà. Les enfants là qui disaient que c'était une église. Bah les débiles du chat. Voilà. Ils sont pas encore rendus. Moi mon prochain bâtiment c'est une église. Waouh. Moi je veux pas faire d'église, je veux juste faire un putain de clocher. Comme ça je pourrais épouser tout le monde qui le veut. Moi j'en ai rien à foutre, les gens ils se marieront à la mairie puis ils feront pas chier. Franchement vu le temps que j'y passe, ils se marieront à la mairie, j'en ai rien à foutre. Non elle est magnifique. D'ailleurs Ellie, j'ai trouvé de la TNT si tu veux. Ah c'est gentil mais non merci. J'ai des tests à faire, tu peux tester. Alors, tu fais ça. Non. Je te retrouve, je t'encule. Chez Ata pour tester ça. Oui j'avoue. Oh. J'avoue. Lui il en a rien à foutre hein. C'est pas. Il a déjà tout. Je te remercierai d'ailleurs. Bon bah ça va être joli. Ça va être incroyable. Mais tu l'as pas fait trop haute. Non. Non non elle va être encore plus haute que ça. Elle va être immense. Non mais par rapport à la hauteur de ce que t'as mis au sol. Oui mais non parce qu'il va y avoir un sol. C'est juste que j'ai pas encore la pierre qu'il faut pour. Faut que je me TP sur toi. Ah oh, ok. T'as rien demandé, tu t'es fait TP c'est ça. Il y a un truc qui s'est choqué. Ça fait bizarre avec tes boutons non. Ouais je sais pas, il disait de mettre des boutons mais en vrai je trouve ça moche. Je vais pas les laisser. En vrai moi je pense que tu peux les laisser. Ouais c'est vrai que on est. Pas partout genre. Attends, pète le plus bas là. Voilà, sur la ligne là, ici, tu peux les laisser, je pense. Ah oui, là-haut, là. Ah oui, juste sur... Ouais, mais tu sais, pas aussi collé, je pense, tu les mets un au-dessus de chaque colonne, je pense. Ouais, je sais pas ce que je veux dire. Merde. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que je vais pas en mettre du tout. Hein. Je suis trop plein, je peux pas prendre celui que je viens de péter. Oh, il est plein. Mon dieu. Après, Ellie, t'es venu dans mon trou, forcément, je suis plein. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. D'ailleurs, du coup, Ellie, elle a un trou, donc faut être dans son trou. Oui, c'est vrai, j'ai un trou maintenant. Il va falloir que j'y aille. Ah bah, j'attends que ça. Hein. Ah mais ça, je me doute bien, Ellie. Ah bah. Par contre, je pourrais pas te fournir comme tu m'as fourni. Hein. Désolé, j'ai pas les moyens. T'inquiète, je vais te fournir, Ellie, t'inquiète pas. Ah oui, c'est... C'est terrible. Ah, c'est terrible. Rien qui va. Il a fallu que t'arrives, hein. Putain.
Oh, alors attends, quand je suis pas là, ça me réclame, mais quand Mais je suis non, mais là, ça dit il que. y, Oh y aura là juste fallu que t'arrives pour que ça parte en couille, c'est tout ce que je dis, moi, c'est tout, hein. là Après, moi, ça me fait beaucoup rire, hein, mais voilà, quoi. Mais si vous vous ennuyez sans moi. Mais bien sûr. C'est vrai que t'es vraiment distrayant, quoi. Ah bah ça. Ch'tonk. Bah, écoute, faut bien un bouffon à la cour du roi, hein. Un Ah peu les bah. gants des anges de la télé-réalité, quoi. Non, ça Non, serait parce qu'ils sont juste cons. Moi, je suis con, mais je le fais exprès. Ouais, On espère. alors. Eux, ils sont payés, tu vois. Pour... J'avoue. Bah, payez-moi. Je suis J'adore ça. pauvre. Je suis pauvre, je suis déjà Je suis pas payé. pauvre! Toi, t'as un vrai travail, t'es pas pauvre. Non. Voilà. Un vrai travail, d'après le gouvernement, c'est pas un travail. Non, je parle pas de toi, je parle de Lauriane. Ah, Lauriane! Ah. Lauriane, Ouais, elle a un qui vrai ça? métier, tu vois. Rien, ça Non, dégage, hein. je vois pas de quoi vous parlez. Bah si, en fait. Je vois pas de quoi vous parlez. Bah moi je vois. Et Allons si moi je voir. vois, tout va Quoi? bien? C'est quoi ce bâtiment du coup, Kip? Bah, Une c'est une maison? maison aussi, hein. C'est Ok. La merde. ça a pas de, c'est voilà, je veux faire des maisons un peu différentes. Faire une espèce de, enfin, de quartier. Ça Mais tu va vas aller découvrir à laguer! l'intérieur ou tu vas juste faire l'extérieur? Bah, pour l'instant, je vais faire tous les, enfin, je vais refaire plusieurs Ouais, tu quoi, vas parce que faire bon. que des maisons vides et Vraiment? après tu vas aller. Oui. Ok. Bah cool en vrai. Écoute, on essaie, hein. Bah t'as raison, t'as raison. Enfin, ça fait deux Bien bâtiments. expérimenté, hein. C'est Bah, en écoute, trouvant qu'on apprend, je vais reprendre plusieurs fois celui-ci là, que je vais faire en différentes couleurs. Pas ce bâtiment là, mais l'autre, tu vois. Ah, le rouge là, ouais, tu nous avais dit avec Kata tout à l'heure. Pip, Ouais, je vais refaire en plusieurs pip. couleurs, je pense, parce que je l'aime bien. Ok. On rentre du coup. Mon flight pour. Du coup, et toutes les entrées. Il y a une entrée qui est là. Après, ça... oui, bon, en même temps, c'est une ville en même temps. Je pense que si je fais des rues comme ça, c'est pas mal, mais bon. Oh, mais Katachou vient de partir, je parle de lui, il part. Oh bah t'inquiète, il est arrivé juste avant Bon, toi, ok. hein. Non, mais il Ouais. Ok. Bon, bah, moi, Donc. je vais vous laisser, du coup. Oh, il nous Oh! abandonne. Part? Ils en Là viennent. où? Ouais, c'est bizarre, il est bugué, celle-là. Tu regardes tout ce que j'ai? Oui. J'ai un ami, il vient de perdre son animal de compagnie. Terrible, Bah mon non. chat est en train de mourir. Véridique. Bah non. Ah si. Oh. Le vieux, il est en train de mourir là. Bon, ça, il y a le petit pour remplacer. Non, c'est horrible. Alors, c'est atroce. Pardon. Au secours, Désolé. C'est ça se fait là, pas. non, là, non, 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 ça se dit pas. Je suis une sale merde, désolé. Non, t'inquiète, Oui, t'inquiète, depuis le temps je te le dis. Mais Ouais, non, bah mais oui, non, mais mais là. quand même, calmez-vous. À force de me Non, passer. mais Oh, ça. du coup, tu fouilles tout, toi. Hey! On peut Oh! mettre le jour? S'il C'est la vous dernière fois, hein. plaît. C'est la dernière fois parce qu'après tu pars. Merci. Tu nous abandonnes. Ouais, je Tout sais. vilain, pas beau là. Pff. Parce que je travaille. Je me lève. Mais Kip, moi aussi demain je travaille, alors je suis là. Regarde Kip, regarde-moi. Oui. Si, hein. Waouh, il y a du Lui, lag. t'as Hein. vu? Ah quoi? Il est dans ma main. Merde, tu l'as lu? Bah non. Mais les deux Scandale. autres étaient dans ma main, hein. Aïe. Non mais, celui Bon que j'ai les gars, posé. cassez-vous. J'ai pas, mec, j'ai pas vu de panneau posé, mec. Aïe. Avec quoi? Oh la mauvaise foi. Mais. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Oh! J'ai vu, hein. J'ai vu ça tente des choses, hein. J'ai juste mis un petit coup de pression. Je sais pourquoi il a fait ça. Bon, bah Parce qu'il a vu le panneau. panneau. il cherche la Quel merde. panneau? C'est un J'embête panneau. Kip, j'embête Kip. Parce que C'est un Kip, c'est un enfant. bébé. Bébé. Oh. Le bébé Kip. J'ai 4 ans, putain. Oui, mais c'est pas grave. Écoute. Tant que tu le vis bien. Oh, bah très. Bah Alors voilà. là, je le vis mieux Voilà, tout que va mon bien. véritable âge. Pourquoi? Parce que t'es un papy? Oh oui, si tu savais, Ellie. Oh bichon. Ose me dire que t'es vraiment un papy. Bah, je viens de prendre un an lundi dernier, donc oui. Oui, mais t'es pas un Pierre, papy. Ouais, Kata! Oui! Kantae! Ah Kip, toi, t'es ouais? invisible? Oui! Hein? Oui, Kip, ouais. t'es Oui! invisible? Non. Mais si! Mec, je suis à ma base, mec, t'es fou, toi. Mais alors pourquoi ma barrière a fait des trucs bizarres? On sait rien. Il se passe Je des m'en perds ici choses. très bien.
Ellie, je vais t'envoyer une vidéo, tu vas voir que Clip il est invisible, il est chez moi, il m'embête. Bah, je m'en bats les couilles. Pardon, pardon, pardon. Wow. Je veux un témoin, c'est tout. Moi, je suis pas un témoin, si tu veux. Et là, il vient de partir. Pardon. Moi, je suis gentil, moi, je suis pipou, moi. Oh là là. Attends, non, mais je suis désolée, mais. Mais tu tends la perche pour que je dise ce genre de choses aussi à un moment. Il a rien entendu du tout. Ah bah si. Si tu savais. Si tu savais, Kata, ce qu'il a tendu. Maintenant, il est parti, ça fait plus de bug. Il a fui. Il a pas voulu qu'on le voie, il a fui. Il ouvre mes putains de coffres. T'es sûr? Putain, je vais te mettre un truc. Hop. Il était en train d'ouvrir mes... Regarde. Il est en train d'ouvrir mes tonneaux. T'es sûr que c'est pas du lait? Parce que moi, je vois rien, hein. Vous avez 4 ans. Je sais pas, moi, je vois rien, hein. Hop. Y'a un fantôme chez toi, hein. 2, 3. Tac. Ah, qu'est-ce qu'on rit. Ah, ça c'est rigolo ça, Kipwix. Où ça? Ah oh, bah ouais. Alors qu'est-ce qu'on se marre, Kipwix? Oh bah dis. Il est où? Il est invisible, il me téléporte en bas et en haut de mon trou. Alors c'est normal que dans un coffre, il y a une représentation de phallus. T'inquiète, quoi, Kipwix, ça. Qu'est-ce que... Vous avez des problèmes, les enfants. Pourquoi mes élytras marchent pas? Parce que tu les as pas équipés. Bien wesh. Énorme bien wesh. Fait que je le vois s'envoler puis se crash. J'ai pas compris pourquoi ils ont pas marché, mes élytras. Pouet, 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 les pouet. Attends, tu peux m'expliquer comment tu peux retourner en bas? Ouais, j'arrête. Oh bah, on a perdu Lorien, je crois. Possible. Non, non, je suis pas morte. Le dernier, il va finir le drift. Qu'est-ce qu'elle fait? Des bêtises. Je sais pas, je descends par les escaliers. Quel escalier? Depuis quand il y a des escaliers chez Kier? Pardon. Jamais eu d'escalier dans le trou. Dans ton trou. Terrible. Kiff. C'est un PGM, mec. T'inquiète. C'est vrai qu'il est trop fort. Allez, je rentre à ma base. Tu sais que j'ai fait une deuxième maison, Kata? Ah. Ouais. Alors, elle est jolie. T'as vu? Bah, elle est différente de l'autre. J'ai fait un style différent. Voilà, voilà. C'est mon trou. Il est beau, ton trou. Quoi, ça, c'est de la bedrock, alors? Ah oui, on peut pas aller plus bas. Là, c'est impossible à creuser. C'est ça. Ah, on oui. S'est fait chier, hein, je tiens à le dire. Ouais, je vois ça, je vois ça. Ah, c'est haut en fait. Hein. Ah bah un petit peu, ouais. Non, c'est rare, mais j'ai un très gros trou. Ah bah ça. On va rien dire, mais on va le penser très fort. Hein. Oh, oui. Aïe. Yep. T'es obligé de me faire mal. J'ai rien moi fait. Aussi, j'ai un nouveau bâtiment. Oh, un nouveau bâtiment. Ah ouais, mais attends, il a un couloir. Ça, c'est Kipul qui l'a fait jusqu'à chez lui. Oui, ça va jusqu'à chez moi. Ouais, oh non, j'ai sûr. Plus de diorite. Oh, y'a plus rien qui va. Ça va jusque chez qui? Non. Si, si, ça va chez moi, je te jure. C'est trop, j'ai caché ma voiture. Tu peux faire, hein. Tu peux. 1, 2, 3. Tout le long, hein, mais. Mais frère, bah, y'a des trous, hein. Mais par contre, la lave. Bah, c'est non le principe d'un gros trou. C'est vrai. Mais ça va jusqu'à chez moi. Enfin, jusqu'à chez moi. Ça va jusqu'à ma grotte, en tout cas. Enfin, genre, jusqu'à ma mine. Mais regardez, non, moi, c'était pas la piste. Donc. Ah yeah. Ah, je crois que je suis au bout. Ça avance bien. Ah non, mais ça tourne. Oui, ça Saturne tourne. Secours, ça Saturne tourne. Oh non. Non, c'est moteur. Dis-toi que Lorient. Action. Un stack de diamants en minant. Kip, t'as la rêve toi si je te dis moteur. Action. Toujours pas. Ah. Kip, il me coupe pas de son Kip. Ah non, il t'aime pas de toute façon. Qu'est-ce que tu veux faire? Il aime personne.
Bah ouais, c'est ouais, un connard c'est... en fait. Mais moi je m'aime pas donc. C'est compliqué ça par contre. Ouais. Voilà. Par contre, je me rends compte que je suis allée dans l'aventure mais sans bouffe pour aller jusque chez toi. Je suis pas revenue vivante. Nyon. Bon, il y a pas mal de chemin, ouais. Hein. Au pire, je te dépêche jusqu'à chez moi et comme ça, t'es arrivé chez moi si tu veux. Au pire, tant que tu me fais pas tomber dans un trou. Non, non, t'inquiète. Mais t'inquiète. C'est qui a sauté. Ouais, hein, mais c'est... t'inquiète, je connais bien. Hein. Excusez-moi, j'ai mon... Mais... mon chat, c'est des génies. À aucun moment, je t'ai dit. T'es un putain de génie, Ogara, qu'est-ce que tu veux faire? Je pense pas que t'as vu ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Un putain de génie comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah non, je l'ai vu chez Ellie. De quoi? Qu'est-ce que t'as vu chez moi? Et quand j'ai regardé ton stream, je voyais la maison de Kip. Ah okay. Là, t'as la magnifique maison des PNJ là-bas. Là, t'as une ferme à faire là-bas. Là-haut, t'as une ferme à PNJ, une ferme à carottes et patates. Ouais. Je sais pas où ça donne d'ailleurs. Oh, Ellie, tu peux voir mon underbeat? Je l'ai vu ton underbeat! Oh! Oui, je l'ai montré. Salut, Panda! Montré son underbeat. Elle est exceptionnelle. Il travaille bien. Du coup, je peux plus faire la blague de te demander si tu veux la caresser, c'est triste. Alors? Merde! Pire idée ever. Non, par là, ouais. Ouvre pas. Pire idée ever. Et sinon, regarde ce qu'il y a ici là. Excusez-moi, pardon. Oh pardon. T'es une axolote. J'ai pas la place pour en mettre un. Excusez-moi. Il va falloir que je lui fasse un aquarium pour lui. Poupi, poupi, poupi. Je vais faire un axolote et je vais l'appeler Kipwit. Voilà, c'est fait. Il sera dans un aquarium. J'avais un chien qui s'appelait Kipwit, mais je l'ai perdu. Ouais. Ah, c'est con. Mais genre, il est pas mort, juste je sais pas où il est. T'as cherché dans le placard? Bah oui. Parce que l'autre jour j'ai retrouvé mon père, c'était compliqué. Ça? Hein? Combien de temps qu'il était là-bas? Bah je sais pas. Oh oui, t'es belle. Oui, t'es belle, la petite underbeat. Est-ce que t'es vraiment en train de te frotter l'underbeat là? Ah oui, je me caresse l'underbeat. Oui. Ah putain! Alors franchement c'est terrible que l'underbeat soit pas au fond de ton trou. Mais ça, tu vois, j'aimerais savoir. Parce que vraiment il y aurait eu des blagues à faire. Après Simon, t'es au fond de mon trou. Écoute, je vais faire spawner mon underbeat si tu veux, y a pas de souci. Non, y en a qu'une seule underbeat. Y en a aucune autre dans ce monde. Oui, c'est pas possible. C'est illégal. Là-dedans. Par décret royal. Ah, oui. Ah bah excusez-moi alors. T'as vu ça? Putain, y a quelqu'un qui a eu la rêve du père dans le placard, ça me fait plaisir. En vrai, c'est très simple. Excusez-moi. Faire ça. Bah, Crazy, bon, c'est ouais. Armin avec son grand-père dans le placard. Rien lui. À voir. Okay. C'est un gars qui fait. Bah, c'est-à-dire que j'ai déjà perdu mon père, mais je l'ai retrouvé. Il était dans le placard. C'est un tantour. Attendez, j'essaie d'entendre ce que dit Kip. Pardon. C'est pas très intéressant. Il s'est sorti, lui, d'ailleurs. Lui. Un lit de bloc, tu vois. Ensuite, faut que tu ramènes un zombie que tu ne renommes, sinon il va despawn. Tu le fous dans de la flotte. Avec une dalle. Avec une dalle. En gros, comment dire. Toujours c'est plus de dalles. On voit pas bien, mais. Ah, rollback. Une source d'eau là, et qui fait qu'il saute en permanence. Oui. Après, bah, tu rebouches tout ça. Mais le plus chiant, c'est de ramener les PNJ et le zombie. Non, après, j'ai une astuce avec des bateaux. On m'a donné une astuce avec des bateaux. J'ai appris à foutre un PNJ dans un bateau pour pouvoir le ramener. Ouais, bah après, ça dépend. C'est si quand même chiant. Monte, ouais. Si ça monte avec des lits, c'est encore mieux. Hein. Tu mets la nuit, tu casses son lit, tu le mets un peu plus loin, il va vers le lit. Ou alors, si tu veux le faire en plein jour, tu mets pareil avec des. Comment on appelle ça ? Il y a des autres lits autour. C'est le seul lit qu'il y a dans le lit. Non, mais même sans lit autour, mais c'est une pète burne quand même. Mais ça marche encore mieux avec les blocs de métier. Ah oui, ouais. Les blocs de métier, ça marche vachement bien et tu peux faire ça jour et nuit du coup. Pardon. Pardon, c'est moi. Ah oui, je vais chercher du bois. Du bois. Ah, d'accord, je sais même pas quand est-ce que je l'ai posé, mais bon. Mais il est pas mort du bois. Ah ouais. Mais en vrai, tu regardes sur Google, tu vois, c'est bien expliqué parce que je sais pas expliquer les choses. Tweak. Mais en gros, il faut faire une bonne zone où ils peuvent pas spawner, donc d'où les demi-dalles. Enfin, les slabs. Les demi-dalles. On dit pas demi-dalles.
Vous savez, on a le chat qu'on mérite. J'ai Ogara qui vient de me dire je reviens, je vais chier. Info très importante, n'est-ce pas? Ogara, dans mon chat. On a le chat qu'on mérite. Très bien. On est super drôle. Ah oui, ah mais il est parfait. Il est parfait. Comme le dessert. Ici, c'est que ma zone c'est pas de faux. Farm. Après, j'ai ma zone où je construis, mais qui est plus loin là-bas. Oui, là où il y a la maison. Voilà. Non, il y en a deux maintenant. Oui, du coup, je vais lui renommer un chien Carmelie. Tu sais pas, c'est un gros bébé. Le petit bébé. Ah oui, c'est un gros bébé. Tout le monde dit. Mais en même temps, c'est hyper drôle. Oui, il est pipou comme un gros bébé. Pourquoi je me prends des dégâts qui n'existent pas? Au secours. J'ai pris des dégâts qui n'existaient pas. J'ai peur. Le monde veut ma mort. L'idée de la con. Faire. Mais ta ferme bouffe là. Ouais. Qu'est-ce que... Tu préfères le bleu ou le jaune, Kier? Le blône. Qui a remis du feu dans le mon... Le blône. T'es mort. Qui a refoutu du feu dans mon... En vrai, le bleu. Dans mes fours. Ah bah trop tard, ce sera le jaune. Juste, t'as fait exprès et t'as attendu que tu peux dire l'autre. Bah non, non. Moi, je pense qu'il a fait exprès. Évidemment. Ouais, c'est en gros, il récolte tout seul, donc comme ça, je suis un gros feignant. Et là, c'est l'endroit où il baise, en fait. Ah bah si, il baise, en plus. Qu'est-ce que tu veux faire? Il a de la chance, hein. Ah bah ça. Ça va vous? Je canne avec Kepuy, c'est quelque chose quand même. T'inquiète, lundi, car lundi. Comment ça, lundi? Comment ça? Il se passe des choses, je suis pas au courant, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, y'a un lundi. C'est dégueulasse. J'ai juste envie de le frustrer en fait. T'as Kepuy, s'il y a un date lundi. Oh, c'est vrai? Oh, ouais, bébou. Bon, je reviens. Ça va qu'elle sache, Kepuy. Bébou, il a un petit date là. Ouais. Bébou, il va pécho de la dame. Oh mais putain. On va au musée. Au musée en plus, adorable. Ouais, musée de paléontologie. Oh, c'est stylé de ouf ça en plus. Bah oui. J'adore. Moi j'invite pas les gens au cinéma, tu vois. Genre, je suis pas un connard. J'avoue. Qui fait ça en même temps, c'est nul. Bah, les gens qui ont pas de race. Un date au cinéma, tu vois. Mais tu peux pas faire un date au cinéma. Comment tu parles avec la personne en plein milieu du film? Mais oui, c'est vrai. Non, mais je suis complètement con. Je comprends t'as pas. T'as même fait une ferme à PNJ aussi. Ouais. Que je viens de tomber dedans, je t'avouerai que... C'est un détail, t'inquiète pas. Salut, je suis un PNJ. Ah, c'est pas ce que je voulais faire, ça. J'ai Ogara qui revient et qui fait « J'ai bien chié, soyez témoin !» Putain. J'ai ras le cul. Ah bah, je pense, hein. Je pense, hein. T'as eu mon message, Kerr? Oui. Pourquoi tu rigoles, toi, encore? Parce que Kip, il est drôle. Kip, c'est trop un mec hilar, en fait. Bah, je sais pas. Moi, il m'envoie pas de blagues, alors je suis un peu déçu. Bah, je t'en envoie pour lui à sa place, mais tu lui lis plus. C'est vrai que des fois, j'ai pas le temps, en fait. T'en envoies beaucoup, du coup. Du coup, j'ai pas trop le temps, tu vois. En vrai, t'as une somme, Kerr. Non, en vrai, non, c'est pas bien grave, mais c'est rigolo. Ah, je suis un génie, putain. Ça, on le savait. C'est beau ce que tu fais, Kip, c'est beau. C'est beau ce que tu me fais, Kip. Oh bah dis. Oh, ouais. Il y a des chambres pour ça, les enfants, calmez-vous. Hein. Ouais. Vous entendez pourquoi je fais une taverne? Ouais, c'est pas faux. Ok. En soi, c'est pas faux. C'est legit. Bon allez, moi je vais aller me coucher. Et bah bisous, bonne nuit. Repose-toi bien. Bisous. Hop, salut. Salut. Au travail, hein. Pouep, pouep. Et au fait, Kier, du coup, t'as vu ce sur quoi je travaille là maintenant là? À quel point c'est énorme. Ta mairie? Ouais, j'ai vu sur ton stream. C'est mastoc un peu. Hein. Chlouk. Franchement. Tu l'as vu toi ma taverne? Bah, quand t'as vu le derby, t'as dû voir la taverne. Je l'ai pas regardé, j'ai pas osé la regarder ta taverne. Oh. Je me suis dit, j'attendrai que tu. Tu préférais vraiment d'être invité que ma taverne? Tout à fait.
fait. Bah en même temps, une underbeat, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Hein. Ah ouais. Attends. Raëli toujours fourrée là où il faut. Hein. Ah bah bien sûr. Attends quoi? Attends, attends, parce que cette phrase a vachement de connotation, mine de rien. Dans quel sens, chef? Dans quel sens la phrase? Moi, oh bah... Ah bah, s'il te plaît. Je répondrais bien d'avant en arrière, mais... Oh, fuck sake. Kier, s'il te plaît, Kier. Attends, attends le bâton aussi. Tu me diras, je pourrais te répondre, bah non, et c'est bien ça le problème. Mais bref, nous, n'en... nous n'en parlons. C'est un autre débat, c'est un autre débat. Revenons au jeu, revenons au jeu. Ah, j'ai envie de canner, putain. Je ne mettrai aucun commentaire. Ah putain. Attends, quoi? Petite tisane pêche abricot goyave, je me sens euphorique tel un cliché d'étudiant en lettres, mais putain. Ogara! Terrible. On en discute de quoi? Petit rollback que je viens d'avoir ou pas du tout? Bah, ce sont des choses qui arrivent, t'inquiète, hein. On commence à avoir l'habitude, hein. On commence à avoir l'habitude. 1, 2, 3. Vous avez vu, je sais compter. C'est beau. Hein. C'est bien. Est-ce que vous êtes fiers de moi? Oui. Merci. Oui. Ça me fait plaisir. Alors, le petit ta-gueule qui était. Pète encore plus fort, on dirait rien. Ah, mais c'était vraiment un prout en plus. Oh putain. Non, mais on en est là, hein. On en est là. Hein. Mais vous, en fait, vous, vous entendez tout ce qui se passe chez moi. Oui, il va falloir que tu règles ton micro d'ailleurs pour ça, parce que c'est terrible. Hein. Mais j'arrive pas à le régler en fait. Le problème, c'est. Bah, si tu fous un filtre. Tu fous un filtre avec un noise gate dessus et puis basta. Enfin, c'est. Sur OBS et sur. Sur OBS et sur Streamlabs, t'as un filtre que tu peux rajouter oui, sur ton micro direct et ça, c'est suppression fait. De bruit. Ça, c'est fait. Non, mais c'est pas possible là, qu'on entende... pas Kevin. C'est pas possible. C'est non, Discord qui entend tout. Non, mais que ce soit Discord ou pas, c'est pas possible qu'on entende autant, c'est ouf. C'est... T'as, ton micro, t'es sur une carte son externe ou c'est la carte son interne de ton PC? Carte son, je pense, interne du PC. Ah putain, donc on peut même pas aller te le bidouiller, ça, c'est chiant. Non, parce que c'est terrible quand même d'entendre tout ce qui se passe comme ça chez toi, c'est pas ouf quoi. Imagine Kevin il dit des choses, on n'est pas censé les entendre. Qu'est-ce qu'il pourrait dire que tu ne pourrais pas entendre? Bah, j'en sais rien moi. Ah bah voilà. Il pourrait dire chocolatine. Oh mon dieu, on va avoir des problèmes. Non. Non, on ferait pas les débats chocolatine, pas au chocolat, s'il vous plaît. Merci. Bah en même temps, il y a pas de débat, hein. C'est juste, t'es dans le sud de la France, tu dis chocolatine et puis basta, quoi. Tu vas à Toulouse, tu dis chocolatine et puis c'est fini, quoi. Et bah moi, je dis coucou au chocolat, ça vous va? Oui, mais toi, t'as un problème aussi, hein. Il y a un problème? Ah, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Kevin, il est occupé à faire des paillettes. Ah, laissons-le faire des paillettes. Ne nous posons pas la question... Laissons-le faire des paillettes. Ouais, ouais, il va les mettre, les paillettes. Je veux pas le savoir. Tant que c'est que les paillettes. Ouais. On parle bien de paillettes, là, hein, on est d'accord, hein. Ouais, ouais, on parle bien de paillettes. Ok, 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 ok. Ouais, tu parlais de quoi, toi? Hein? Bah de paillettes. Tu parlais de quoi? Bah de paillettes. Ouais. Paillettes. De quoi tu veux que je parle? On a tous compris ça, hein. Bah oui. C'est pour ça que je posais la question, pour être sûr qu'on parlait bien de paillettes. Oui, oui, oui. Tant qu'on parle de paillettes, tout ah, va bien. Éternuer. Hein. Bah éternue. J'en ai marre. Ok. Est-ce qu'un agotif, ça peut me faire... C'est pas un joueur de foot, Neymar? Si. Ça, il me semblait bien, ouais. Mais non, mais faut que j'aille quand même chercher du bois, débile. Qu'est-ce que... T'as mes potes qui m'ont proposé d'aller voir la finale en bar dimanche, là. Bah vrai, j'en ai rien à branler du foot, mais du coup, le bar, il filait bien moins cher, du coup, je suis content. Je me fais attaquer par un fantôme. Il a cru, il pouvait me faire du mal, tu sais. Ils sont badins sur ce pack de textures, c'est terrifiant. Mon dieu. Voilà, il est mort. Il n'y a plus de fantôme.
Payet aussi, c'est un joueur de foot. Mais c'est pas Payet normalement ? C'est Payet. Ah, il s'appelle vraiment Payet ? Oui. Exceptionnel. Ouais, c'est Payet, P-A-Y-E-T. C'est pas comme une paillette. Ouais, ça se dit paillette. Ça se dit paillette ? Il me semble. Moi, j'étais convaincu que ça se disait paillet. Mathieu Payet, ouais. Payet, donc, bah écoutez. Le T se prononce, bah écoutez. C'était un des profs de BTS. De quoi, Payet ? Non, Payet. Ah. On l'appelait Matt Paille, il s'appelait Mathieu Payet. Pourquoi pas ? Ça peut être rigolo, en effet. C'est cool. Donc. Je l'aimais bien. Bah si tu l'aimais bien alors. Est-ce que lui, il t'aimait bien ? Bon, il avait pas l'air de nous tester. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon début. Eh, ça avance, j'ai presque fini mon premier étage. Je pense que quand j'ai fini le premier étage, je vais me coucher parce qu'il est 23h, les gars. J'ai encore pas fait mon espagnol, en plus, putain. Terrible. Uno, dos, allez, c'est reparti. Un pasito pal. Oh, putain. Oh, j'ai la ref. Oh, j'ai la ref. Me gusta Shakira, mon pote. Hein. Me gusta Shakira. Oui, Shakira, en plus. Ah bah, attends. Me gusta Shakira. Oui, c'est un dos stress, vamos à la playa. J'ai compris ça et je sais pas si je dois le dire. De quoi ? J'ai compris la grochette à Shakira. Quoi ? Mais comment ? Mais quoi ? Alors. Mais t'invente des syllabes là. Alors, je sais que j'aime pas cette phrase, mais tu sais, les oreilles, c'est comme le cucu, ça se lave ! Mon dieu ! Mais je les ai lavées, c'est ça le pire ! Elles sont propres ! Mais qu'est-ce que t'as foutu dedans pour entendre des trucs pareils ? Je sais pas. Parce que là, c'est compliqué un peu. J'ai demandé confirmation. Ouais, bah là. Non, mais ouais. Moi j'ai compris. Oui, en 40, on savait s'amuser. Alors. Peut-être pas pousser le bouchon aussi loin, Maurice. C'est compliqué, ça, un peu. Hein. C'était chaleureux. Ah, tout à fait. Enfin. Écoutez, ouais. Laissez-moi dans mon monde, des fois. Mon monde, peut dire qu'il faisait chaud. Il y a plein de bisounours, hein. Faut pas chercher à comprendre. Tiens. Les calinours, là. Alors attends, Bisounours ou Calinours ? Calinours, c'est la version québécoise. Parce que moi, j'ai grandi avec les Calinours. Hein. Vraiment, je... Mais les Calinours, c'est les oui. Bisounours. Oui, non mais que je t'explique. Je n'ai compris que c'était la même chose qu'à 19 ans. Bon pour toi. Avant, j'étais persuadée que c'était les mêmes. Enfin, que c'était mais pas les mêmes. Pourquoi c'est Calinours au Québec et pas Bisoun ? Parce que Bisoun, ça veut dire un truc terrible. Parce que Bisoun, juste le Bisoun au Québec, c'est un l'argot pour dire une testicule. Ah, c'est hyper drôle. Ah, c'est hyper drôle. Le générique prend tout son sens. Moi, mon bisounours, je lui fais des bisous. Oh non. Et dire merci, il m'en fait lui aussi. Exceptionnel. C'est exceptionnel. Voilà. Ça prend tout son sens. Ah, oh, putain. Oh, je veux apprendre des trucs comme ça tous les jours. M'avait appris un truc la dernière fois aussi, là, les... Ouais. Bâtard. Très bien. Comment ça s'appelait le truc le dessin animé chelou là que j'ai été voir et que j'ai fait ouais. Chicken Run. L'espèce de nounours. Happy Poudou. Happy Poudou, bah oui. C'est rien de caché, ça c'est littéralement ce que c'est. Oui, c'est, tout à fait. Non mais c'est pas de le cacher là. Happy Poudou, c'est juste exceptionnel. C'est... On ne crache pas sur Happy Poudou déjà, parce que sinon il crache dessus. Aussi. T'aimes bien quoi? Mini nounours. Mini-nours. C'est un truc un peu moins connu, ils ont fait que 2 ou 3 vidéos, je crois, mais c'est dans le même genre que Happy Poudou. J'ai pas la ref. Moi, ce que j'aime bien, c'est le dessin animé que Bob Lennon et Benzaï ont doublé, là. Comment il s'appelle, ce truc-là ? Les Star Barbares. Les Star Barbares ! Ah, putain ! Je suis trop déçu qu'il y ait jamais eu de suite. Mais j'avoue, putain ! Pourquoi il y a jamais eu de suite ? Chier ! Surtout qu'ils en ont teasé une ultra longtemps. Mais j'avoue, c'était exceptionnel. Je comprends pas non, pourquoi. Je me rappelle que t'as un épisode dans Calinours où le mec c'est. Genre l'épisode ça commence et t'entends. Enfin, ouais, non, je vais peut-être pas le dire, c'était pas Twitch friendly. Oh bah, on est plus à ça près, bro. Hein. Bah, en gros, ça fait. C'est genre, c'est le générique d'une série, tu vois, que Minou il regarde. Et genre, ça fait Michael et sa bite. Michael et sa bite. Et genre, tu vois juste quoi un gamin, enfin un gamin, un ado.
dans son lit qui se réveille avec une espèce de truc énorme dans son lit. Et, quoi et lui, il gueule parce que c'était pas censé être. Ah et, sauf que ça. Son engin gueule aussi. Et du coup, c'est très bizarre. Mais attends, mais c'est dans quoi ça? Dans Mélénours. Ah Ah bah très bien. Ok. Ok. Nous ne parlerons pas de ça. Après, t'as Minouz qui se réveille qui fait oh putain, faut que j'aille prendre, prendre du GHB avant de dormir. Logique. Logique. Parce que si t'as des problèmes pour t'endormir, il faut prendre du GHB, tout à fait. Ne faites pas ça, les enfants, ne faites pas ça. Non. On est sur Twitch et sur YouTube en rediffusion, ne faites pas ça, ne prenez pas de GHB, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Faut pas faire ça. Après, vous devenez addict, vous finissez en zonzon, c'est compliqué, quoi. C'est comme avec l'opium, c'est pas bien. L'opium, c'est que si votre médecin il est d'accord. Voilà. Bon, à l'époque, la cocaïne aussi. Hein. C'est pas faux, mais faut pas le dire trop fort, parce qu'après, on va avoir des problèmes. Puis l'héroïne aussi. C'est bien ce que je dis, faut pas le dire trop fort, parce qu'après, on va avoir faut des problèmes. Faut pas le dire trop fort. L'héroïne. Chut. Oh non. Oh putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il me manquait un bloc, mais non, c'est bon, tout va bien, il m'en manque un peu plus. J'ai moins le seum. Tout va bien. Ah oh, putain. J'ai Kevin non, voilà. qui vient de me dire silence. Ça tourne. Ça pousse. Oui. Je me suis rendu compte que c'était pas le bon truc en le disant. Moi, je viens de me rendre compte que Kevin, il vient de me dire silence. Ouais. Tout va bien. Il rigole en plus, ce con. Ah bah, tu l'as choisi, t'assumes, hein. À un moment, voilà. Ouais, mais il était pas obligé de me dire silence, merde. Ah bah. Je t'entends pas. Ah, c'est long à cuire. Ferme ta gueule. Ah bah, très bien. Voilà. Oh putain, il manque trois fois rien là, je vais aller dormir, merde! Ce serait bien! Enfoiré, va. Kier, tu veux venir voir ma mairie? Oh. Si j'en t'ai pas proposé. Ah bah. Attends. Hein. On est sympa, nous, quand même. Hein. Ah, Il va vraiment appeler le trou. Ouais. Ou alors c'est toi le trou. C'est moi le trou. Toi, tu es la chose, moi, je suis le trou. C'est un peu réducteur quand même. Ouais, un peu, ouais, franchement. Honnêtement. C'est me mettre qu'à une seule utilité. Enfin bref, c'est compliqué quoi. C'est voilà. Une utilité, c'est juste une chose. Ouais, c'est. Bah écoute. T'as vu comme elle est grande la mairie? Et ça, c'est le premier étage sur 3. Elle va être immense, sa mère. Alors, elle va être gigantesque, mais tu sais quoi me fait penser? Dis-moi. Le fond d'écran Windows XP là avec les murs de briques qui bougent. Avec les murs de briques qui bougent? Quoi? Attends, pourquoi j'ai plus de souvenirs de ça? Windows XP Wallpaper. Merde. Bricks. Quoi? Ça n'existe pas, t'as des problèmes, mon bon cœur. C'est Windows 95, pardon. Ah, je me disais.